بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين إذا مرحبا بالمتعلم الثاني إعدادي pour correction des exercices de 1 à 10 une vers plus page 75 à 77 ou bien page 74 à 76 pour 5 collection pour la leçon concernant les lois de la réaction chimique قوانين التفاعل الكيميائي. On commence par l'exercice numéro 1. Donc, je complète en utilisant les mots molécules, réarrangement, stéchiométrie, conservation, réaction, réactif, produit, dioxygène, atome, proportion, masse. Identifie le mot convenable qui correspond à chacun des numéros de 1 jusqu'au 13. On va utiliser les mots suivants. Molécules, GDA, réarrangement et à tertib, stéchiométrie, c'est le phénomène d'équilibrer la réaction chimique avec les coefficients stéchiométriques. Il y a un amino-adil, conservation, enhifaz, réaction, تفاعل رياكتيف أسم التفاعل برودوي نواتج تفاعل ديكسيجين تنائي الأكسجين أطوم درع بروبورسيون نسب مشاركات الجزيئات مس كتلة دونك إذا نستعمل إذا إدنتيفي لو مو كونفونابل دونك دال الكلمة التالية في المكان المناسب دونك دون أون Donc, le mécan 1 est tout droit. L'un du farag. On va choisir le calme le moins sévère. Donc, un chimique provoque un, deux, des atomes, des trois, pour former des. Donc, d'ailleurs, je vais vous dire que je vais vous dire le calme le Au cours de la combustion d'une, de méthane, deux molécules 2, 6 disparaissent pour former trois molécules de deux produits. Nous avons un comme le méthane. Nous avons un autre comme le méthane. Nous avons un autre comme le من النواتج هذه النواتج هي اثنان لا ستيام تخدوي لا ويتيام دي نف ادون دي ديس دون لكل لي انز رياجيس pour donner les produits dans une donc complétée chimique il y a conservation de donc full vidéo افكر واحد شوية et on passe à la correction Donc pour la correction, donc une réaction chimique provoque une réaction chimique provoque un réarrangement, donc deux réarrangements et un tertib des atomes des réactifs, trois des réactifs pour former des quatre produits. Au cours de la combustion d'une molécule, 5 molécules de méthane, 2 molécules de dioxygène, 6 dioxygène, disparaissent, tartafi, pour former 3 molécules des deux produits. Là, donc la septième, donc la stéchiométrie traduit la conservation des atomes, 9 atomes, donc 8 conservation, 9 atomes, et donne les proportions, nisab musharaka, dans lesquelles les réactifs réagissent, donc 11 réactifs réagissent pour donner des produits. Dans une réaction, donc il y a conservation 2, donc dans une réaction
réaction chimique. Donc 12 réactions. Dans une réaction chimique, il y a conservation de la masse. Numéro 2, caractérise une réaction chimique. Répondre par vrai ou faux. Dans une réaction chimique, il y a disparition de la matière. Dans une réaction chimique, il y a conservation de nombre d'atomes. Dans une réaction chimique, il y a conservation de nombre d'atomes. Dans une réaction chimique, il y a conservation des types d'atomes. في تفاعل كيميائي ينحفظ نوع الذرات هنا عدد الذرات هنا نوع الذرات dans une réaction chimique il y a conservation des molécules أثناء التفاعل الكيميائي يكون انحفاظ الجزيئات vrai ou faux dans une réaction chimique il y a conservation de la masse في تفاعل كيميائي يكون انحفاظ كتلة. Donc pour la correction, dans une réaction chimique, il y a disparition de la matière. Donc c'est faux. Il n'y a pas de disparition de la matière. Donc il y a disparition des réactifs, mais apparition des produits. اختفاء المتفاعل ولكن ظهور نواتج كوش اختفاء المادة dans une réaction chimique il y a conservation de nombre d'atomes donc c'est vrai il y a conservation de nombre d'atomes يكون انحفاظ عدد الذرات dans une réaction chimique il y a conservation du type d'atomes c'est vrai aussi donc c'est vrai في تفاعل كيميائي ينحفظ كذلك نوع الذرات مثلا ذرات الكربون اللي كانت في الأجسام المتفاعلة لابد أن تكون في النواتج إذا لم توجد مثلا ذرات الكربون في الأجسام المتفاعلة لا توجد في النواتج إذا نفس الذرات التي تدخل في تركيب الأجسام المتفاعلة هي نفسها التي تدخل في تركيب النواتج. Dans une réaction chimique, il y a conservation de molécules. Donc c'est faux. Il y a conservation des atomes, mais pas des molécules. Dans une réaction chimique, il y a conservation de la masse. Donc c'est vrai. Il y a conservation de la masse. Numéro 3. Transformation physique. Et transformation chimique. Choisir là où les bonnes réponses. Dans une transformation chimique, les réactifs ne sont pas conservés. Dans une transformation chimique, les atomes différents se forment. في تحول كيميائي تظهر ذرات أخرى. Dans une transformation chimique, les réactifs sont identiques aux produits. في تحول كيميائي الأجسام المتفاعلة متشابهة مع النواتج. Dans une transformation chimique, les atomes subissent un réarrangement. في تحول كيميائي إذن الذرات يحدث لها إعادة ترتيب. Dans une transformation chimique, l'état initial et l'état final sont identiques. في تحول كيميائي الحالة البدئية والحالة النهائية متشابهان. إذن وقفوا الفيديو وفكروا وكملوا التصحيح. Donc pour la correction, dans une transformation chimique, les réactifs ne sont pas conservés, donc c'est vrai. Les réactifs ne sont pas conservés car ils se transforment en produits.
dans une transformation chimique, des atomes différents se forment. Donc, c'est faux. Donc, il y a conservation des atomes. Les atomes qui... les atomes... كما قلت ذرات المكونة اللي متفاعلة هي نفسها مكونة اللي متفاعلة إذن لا يمكن أن تكون هناك ذرة أخرى dans une transformation chimique les réactifs sont identiques aux produits donc c'est faux donc ils ne sont pas identiques dans une transformation chimique les atomes subissent un réarrangement donc c'est vrai إذن فقط الذرات يعاد ترتيبها وتنحفظ dans une transformation chimique l'état initial et l'état final sont identiques donc c'est faux إذن غير متشابهة si sont identiques ce n'est pas une transformation chimique c'est une transformation physique. Donc c'est faux. Le numéro 4, on fait brûler 3 g de carbone dans 8 g d'oxygène. Choisir la bonne réponse. On obtient lors de cette combustion 7 g de dioxyde de carbone, 11 g de dioxyde de carbone, 14 g de dioxyde de carbone ou bien 22 g de dioxyde de carbone. إذن نقوم بإحراق 3 غرام من الكربون في 8 غرام من ثاني الأكسجين إذن اختار الجواب صحيح إذن نحصل على أثناء احتراق على 7 غرام من ثاني أكسيد الكربون أم من 11 غرام من ثاني أكسيد الكربون أو 14 غرام من ثاني أكسيد الكربون أم 22 غرام من ثاني أكسيد الكربون Donc on a la loi de conservation de la masse. Donc la masse des produits, la somme des masses des produits est égale à la somme des masses des réactifs. On a les réactifs sont le carbone et le dioxygène. Alors ça nous fait là il y a le carbone et on a l'oxygène. Donc نواتج كي الناتج واحد هو ثنائي اكسيد الكربون. Un seul produit, c'est le dioxyde de carbone. Donc la masse du dioxyde de carbone est égale à la masse du carbone, c'est-à-dire 3 grammes, plus la masse du dioxygène, c'est-à-dire 3 plus 8. 3 plus 8 donne 11 grammes. Donc la bonne réponse, c'est 11 grammes de dioxyde de carbone. Numéro 5. Voici les représentations moléculaires de 4 transformations chimiques. Écrire pour chacune d'elles l'équation de réaction. L'ADN تمثيل جزيئي لأربع تحولات كيميائية. اكتب المعادلة الكيميائية لكل تفاعل. بتيتا بي سي دي. Donc petit a on a لدينا كورية سوداء يعني ذرة كربون ذرة كربون تتفاعل مع جزيئة ديال ثنائي الأكسجين وينتج عنها جزيئة من ثنائي أكسيد الكربون donc C plus O2 plus O2 donne CO2 donc CO2. Donc, à dire, moi, de là, l'équation de la réaction A. C réagit, le carbone réagit, un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone. Pour B, on a une molécule, donc, on a une molécule de méthane. Molécule de méthane. CH4. Il y a une molécule de carbone qui est mortabilité avec 4 molécules
هيدروجين الكرية حمراء كرية بيضاء تمثل ذرات الهيدروجين دنادية جزيئات الميثان CH4 plus réagit avec deux molécules de O2, donc de O2 donne une molécule de CO2, une molécule de CO2 plus deux molécules de H2O. Donc une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules de l'eau. Dans le GGA, que le GGA من الميثان تتفاعل مع جزيئتين من الأكسجين وينتج عنها جزيئة من ثاني أكسيد الكربون وجزيئتين من الماء. بالنسبة للسي هنا O2 GGA une molécule, chaque molécule de dioxygène réagit avec deux molécules d'hydrogène pour donner deux molécules d'H2O. Donc chaque molécule, une molécule de dioxygène réagit avec deux molécules d'hydrogène pour donner deux molécules de l'eau, H2O. لأن كل جزيئة من ثاني أكسجين تتفاعل مع جزيئتين من الهيدروجين فينتج عنها جزيئتين من الماء. pour D on a deux atomes de carbone réagit avec une molécule d'oxygène pour donner deux molécules de CO monoxyde de carbone, deux molécules de CO. إذن ذرتين من الكربون تتفاعل مع جزيئة واحدة من ثاني الأكسجين فينتج عنها جزيئتين من أحادي أكسيد الكربون. نسمو 6 la figure ci-dessous donne deux représentations. Donc la figure, donc l'exemple numéro 6, la figure ci-dessous donne deux représentations moléculaires correspondant à deux transformations de carbone. L'atome de carbone est représenté par une sphère noire et la molécule de dioxygène par deux sphères rouges. Et dans le cycle tali, يمثل تمثيل جزيئي لتحولين من الكربون إذا ذرة الكربون نمثلها بكرية سوداء وجزيئات ثنائي الأكسجين نمثلها بكريتان حمراء ملتصقة هذه جزيئات الأكسجين وذرة الأكسجين نمثلها بكرة واحدة سوداء جزيئات الأكسجين نمثلها بكريتان حمراء إذن ملتصقة بعضها ببعض. Donc premièrement vérifier si les atomes sont conservés au cours des combustions 1 et 2. On a la combustion 1, il y a dit la combustion 2. Vérifier si les atomes sont conservés. إذا تأكد من أن الذرات تنحفظ أثناء احتراق الأول احتراق الثاني. 6.2 expliquer pourquoi les produits de combustion 1 et 2 sont différents. إذا فسر لماذا نواتج احتراق الأول يختلف عن نواتج احتراق الثاني. 6.3 écrire l'équation de la réaction correspond à chacune des combustions. إذن اكتب معادلة كيميائية لكل احتراق الأول احتراق الثاني. 6.4 calculer pour la combustion 1 la masse de dioxyde de carbone résultant de la combustion de 0.4
grammes de carbone, dont 1,6 g de dioxygène. إذن أحسب بالنسبة لاحتراق الأول كتلة ثنائي الأكسجين الناتج عن احتراق 0.4 غرام من الكربون في 1.6 غرام من ثنائي أكسيد الكربون. 6.5 calculé pour la combustion 2 la masse de dioxyde de carbone résultant de la combustion de 0.6 g de carbone dont 0.8 g de dioxygène, sachant qu'il se forme également 0.73 g de monoxyde de carbone et 0.2 g de carbone. Dans la vidéo, on passe à la correction. Donc, vérifier si les atomes sont conservés pour les combustions 1 et 2. Donc, commençons par la combustion 1. Donc, combustion 1. L'état initial, on a un chambre de carbone qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes de carbone. 6 atomes de carbone. Donc, la combustion 1, on a 6 atomes de carbone à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 6 molécules de dioxygène. Chaque molécule contient 2 atomes. Donc 6 fois 2 égale à 12. Donc on a 6 molécules de dioxygène. 7 جزيئات من ثنائي الأكسجين. كل جزيئة تحتوي على ذرتين من الأكسجين. إذن في المجموع هي 12 ذرة الأكسجين. إذن نحسبوها 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 في 2 هي 12. هذه l'état initial. L'état final, on a 6 molécules de dioxygène. Chaque molécule contient un atome de carbone. Donc, on a 7 degrés de carbone. Et chaque molécule contient 2 atomes d'oxygène. Donc, on a 7 degrés de carbone. وستات الجزيئات ديال ثنائي أكسيد الكربون كل جزيئة تحتوي على ذرتين من الأكسجين هي إذا في المجموع هي 6 في 2 هي 12 ذرة أكسجين. ولا نحسبوهم هكا نحسبو إذا بالنسبة لذرة الكربون 1 2 3 4 5 6 بالنسبة للأكسجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Donc l'état final 6 atomes de carbone et 12 atomes d'oxygène. Donc on a conservation. Donc les atomes sont conservés en type et nombre. Dans le fait d'hafidou min hayt an-naw' min hayt al-'adad. Donc min hayt an-naw' kayn darat carbone et darat oxygène فقط tadkhulu fi halal bad'iyya dans les réactifs et dans les produits. On a seulement les atomes de carbone et d'oxygène. Dans les produits, dans l'état initial, c'est-à-dire dans les réactifs et aussi dans les produits. Ils se conservent aussi en nombre. On a 6 atomes de carbone. Dans les réactifs, on a 6 atomes de carbone dans les réactifs, dans les produits. Pour l'oxygène, on a 12 dans les réactifs. On a aussi 12 atomes d'oxygène dans les produits. Donc, il y a conservation des atomes. Pour la combustion 2, on a 6 atomes de carbone. 6 atomes de carbone. Et 6 atomes d'oxygène. On a 3 molécules de dioxygène. Chaque molécule contient 2. Donc 3 multiplié par 2 égale à 6. Donc 6 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène. 7 degrés de carbone et 7 degrés d'oxygène. Fin de watiz, 7 degrés de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6. L'oxygène, on a 1, 2,
3, 4, 5, 6. Donc on a 6 aussi. 6 dans l'état final, 6 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène. Donc il est. Donc les atomes sont conservés aussi en type et en nombre. Donc il y a conservation des atomes. 2. Expliquer pourquoi les produits des combustions 1 et 2 sont différents. Donc, car le nombre d'atomes d'oxygène dans la combustion 1 est 12, est supérieur au nombre d'oxygène dans la combustion 2. Donc, il y a le premier, l'oxygène est 12, akbar, adad akbar min عدد ذرات الأكسجين في احتراق الثاني إذن فهو كافين إذا عدد ذرات الأكسجين هي كافية لإعطاء فقط جزيئات ثاني أكسيد الكربون بينما في الاحتراق الثاني نلاحظ أن عدد ذرات الكربون عدد ذرات الأكسجين غير كافية لإنتاج فقط ثاني أكسيد الكربون لهذا يتكون معه أحاد أكسيد الكربون والكربون. Donc, car le nombre d'atomes d'oxygène dans la combustion 1, 12, est supérieur au nombre d'atomes d'oxygène dans la combustion 2. Donc, le nombre d'atomes d'oxygène dans la combustion 1 est suffisant pour former seulement le dioxyde de carbone, mais insuffisante pour la combustion 2. Pour cela, il y a formation de monoxyde de carbone et de carbone. 6.3. Écrire l'équation de la réaction correspondant à chacune de combustion. Donc pour la combustion 1, 6.3, on a 6 atomes de carbone. Combustion 1, on a 6 atomes de carbone. Réagit avec 6 molécules de d'oxygène. Dans 7 ذرات carbone, tu as fait avec 7 ذرات من الاكسجين وانتجناها 6 molécules dont 6 molécules de CO2, dioxyde de carbone. Pour la combustion 2, on a 6 atomes de carbone. 6 atomes de carbone réagir avec 3 molécules de 3 molécules de dioxygène pour donner donc 2 atomes de carbone pour donner 2 atomes de carbone et 2 atomes 2 molécules de dioxygène voilà, j'ai atteint un oxyde carbone et deux molécules de monoxyde de carbone. Deux molécules de monoxyde de carbone. Je vais atteindre un oxyde de carbone. 6.4. Calculer pour la combustion 1 la masse de dioxyde de carbone résultant de la combustion de 0,4 g. De carbone dont 1,6 g de dioxyde d'oxygène. Donc pour la combustion 1, en appliquant la loi de conservation de la masse, on a la masse du carbone plus la masse de dioxygène est égale à la masse de dioxyde de carbone. Donc la masse de dioxyde de carbone est égale à la masse de carbone plus la masse de dioxygène. Donc la masse de CO2 égale à la masse de C plus la masse de O2 égale à 0,4 g plus 1,6 égale à 2 g. Donc la masse de dioxyde de carbone pour la combustion 1 est 2 g. 6.5, en appliquant la loi de conservation de la masse, on a la masse dans les réactifs, la masse
de carbone plus masse d'oxygène égale à la masse imprime, la masse imprime du carbone formé plus la masse de dioxyde de carbone plus la masse de monoxyde de carbone. نجمع كتل أسم متفاعلة يساوي مجموع كتل نواتج. مجموع كتل أسم متفاعلة هي كتلة ذرة كتلة كربون وكتلة ثنائي الأكسجين. دونك لا ماس دو كربون بلس لا ماس دو ديوكسجين إيكال على ماس كتلة الكربون المتكون زائد كتلة ثنائي أكسيد الكربون المتكون زائد كتلة واحد أكسيد الكربون. إذا نبحث عن ثنائي كتلة ثنائي أكسيد الكربون. On cherche la masse de dioxyde de carbone. Donc la masse de dioxyde de carbone est égale à la masse de carbone plus la masse de dioxygène moins M prime de carbone moins M la masse de monoxyde de carbone. Et on remplace un aoudo. Donc la masse de carbone, la masse de carbone, il y a 0,6. Donc la masse de CO2 égale à 6 grammes, égale à 6 grammes. Il y a 6 grammes de carbone, plus la masse de dioxygène, c'est-à-dire 0,8, moins la masse du carbone formé, c'est-à-dire 0,2, moins 0,73. Et là, si on fait le calcul, ça donne 0,47 grammes. Donc la masse de CO2 égale à 0,47 grammes. Exemple numéro 7, transformation du méthane. On donne l'équation bilan de la combustion du méthane. CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Proposer une méthode permettant de vérifier que l'équation de cette réaction est équilibrée. Cette 2 déterminée en s'aidant de l'équation bilan, Yanni a dit, de la combustion du méthane et des données de tableau, un tableau ADA, le nombre de molécules qui réagissent et le nombre de molécules à l'état final. Dans notre ADA, l'extrait de méthane, CH4 plus 2O2, donc CO2 plus 2H2O. اقترح طريقة تتأكد منها بأن المعادلة متوازنة. دوزيامو ديتيرميني نحدد باستعمال بمساعدة المعادلة الكيميائية وبالجزيئات المتفاعلة وعدد جزيئات في الحالة النهائية. Donc, proposer une méthode permettant de vérifier l'équation de cette équation est équilibrée. Donc, on calcule l'adad. On calcule l'adad de zat. On commence par exemple de zat carbone, les atomes de carbone dans les réactifs on a un atome de carbone. Donc, on a un atome de carbone. Donc, il est équilibré pour le carbone. Donc, il y a متوازنة بالنسبة للكربون. بعد ذلك نمر للهيدروجين. الهيدروجين هنا لدينا أربعة ذرات هيدروجين. هنا جزيئتين من الماء، كل جزيئة فيها ذرتين من الهيدروجين. إذا المجموع هي 2 في 2 هي 4. إذا كي 4 ذرات هيدروجين في أجسام متفاعلة و4 ذرات هيدروجين في النواتج. إذا متوازنة بالنسبة للهيدروجين كذلك. الأكسجين لدينا جزيئتين من أكسجين، كل جزيئة تحتوي على ذرتين، إذا في المجموع 4 ذرات، 4 أتوم دوكسجين، هنا هنا أون 2 بلس 2 إيكالا 4، دونك إلي إيكيليبغي، ديتيرميني أون سي دون دو ليكواسيون بيلون، لا كومبستيون دي ميتان، إي دو نو تابلو. Le nombre de molécules qui réagissent, le nombre
des molécules qui réagissent. Le méthane réagit avec le dioxygène. Est-ce qu'ils réagissent tous ou bien donc on a chaque molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène. إذن كل جزيئة واحدة من الميثان تتفاعل مع جزيئتين من الأكسجين وينتج عنها جزيئة واحدة من ثنائي الأكسجين وجزيئتين من الماء. Donc d'après l'équation 1, une molécule de méthane réagit avec deux molécules d'oxygène. Deux molécules de dioxygène. Il y a deux dioxygènes avec deux molécules de dioxygène. Donc, 4 molécules de méthane va réagir avec 8 molécules, double d'AF, dira. Donc, il y a un jugé à Wahida, minal méthane, tafa'al, ma jugé à terminal ma, ma jugé à terminal tunaïl oxygène. Dernier, il a créé 4 molécules de méthane, il va réagir avec 8 d'AF, dira. Donc, les réactifs réagissent complètement pour donner les produits. Donc, il y a disparition. Donc, on a 4 molécules de méthane réagissent avec 8. Et donc, tout à fait, le coulien, donc, ils réagissent complètement. Donc, le nombre de molécules à l'état final. Donc on a les réactifs réagissent complètement. يعني يختفي الميثان والأكسجين نهائيا. كأن أربع جزيئات من الميثان تتفاعل مع 8 جزيئات من الأكسجين وينتج عنها انطلاقا من معادلة. إذا كل جزيئة واحدة من الميثان ينتج عنها جزيئة واحدة من ثاني أكسيد الكربون. إذا وضعنا أربعة جزيئات من الميثان سوف ينتج عنها أربعة جزيئات من ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للماء ضعف. إذا جزيئات الماء إذا كل جزيئة واحدة من الميثان ينتج عنها جزيئتين من الماء. إذا أربع جزيئات من الميثان ينتج عنها 8 جزيئات من الماء. Donc, équilibrer les équations suivantes. Donc, on a C plus O2 donne CO. Donc, on a CO. Donc, on a le carbone, le carbone, on a deux atomes, on a un seul atome. Donc, on a CO2. On a deux. ندرنا CO2 أنا مقص هذا CO إذا ما تقربوش للصيغة الكيميائية تستعملوا فقط معاملات تناسبية. إذا ناخذ جزيئتين من واحد أكسيد الكربون يعني 2 CO هذا رجعوا الكربون إذا ولات لدينا الآن 2 أتوم دو كربون دونك إذا ناخذ كم كوفيسيون ستيكيومتريك معامل تناسبي 2 جوج دو سي. نعاود نتأكدو من المعادلة. أنا دون لي غياكتيف دوز أتوم دو كربون هي دوز أتوم دو كربون الأكسجين دوز أتوم دوكسجين أنا دو متبليك باغ أن إيكال دو بوغ بي دونك سي تخوا أش ويت بلس أو دو دون سي أو دو بلس أش دوزو دونك سي تخوا دونك نبداو بالكربون. هنا في الأجسام المتفاعلة عندنا dans les réactifs on a 3 atomes de carbone, dans les produits on a seulement 1, donc on a 3 molécules de dioxyde de carbone parce que tous les on a 4 degrés de carbone. Pour l'hydrogène on a 8 atomes d'hydrogène dans les, donc on a 4 molécules de dioxyde de 4 molécules de H2O. بس عطينا 8 درجات هيدروجين.
دونك اصبحت الان متوازنه بالنسبه للكربون، هي 3 دون لي رياكتيف 3 اتوم دو كربون، دون لي برودو 3 اتوم دو كربون. الهيدروجين اون 8 دون لي رياكتيف اون 4 من بار 2 ايغال 8، بقى لنا الاكسجين. دون لي رياكتيف اون سامبلمون 2، دون لي برودو اون 3 من بار 2 ايغال 6 plus 4 multiplié par 1 égale à 4, c'est-à-dire 6 plus 4. 6 plus 4 égale à 10. Donc, on a, donc on a 10, à ce rate, de rate, oxygène sur la voiture. Et dans ce cas, on a le de l'oxygène, et on a le de l'oxygène fait à la dératine. On a le de la dératine. Et donc, on a 5 molécules d'oxygène, bataté natra. Donc 5, on a donc pour le carbone, pour les réactifs, on a 3, il y a 3, 3 pour le carbone. L'hydrogène, 8, donc on a 4 multiplié par 2 égale 8. L'oxygène, on a 5 multiplié par 2 égale à 10. On a 6 multiplié par 2 égale à 6, plus 4 égale à 10. Pour petit C, 2C4H10 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc on a besoin de la carbone. On a 2 par 4 égale à 8. On a dans les produits simplement un atome de carbone. Donc en ardo, on prend 8 ménia. Mais sur l'anat, ménia de la carbone. On soutient l'hydrogène. On a 2 multiplié par 10 égale à 20. Donc, si on a l'aide de 2, parce que sur le 20, on a 10. Donc, si on a 10 molécules de H2O, parce que sur la serine de radial hydrogène. Donc, il y a tout un autre principe de carbone. On a 8 métafaïl, 8 de carbone noatis. On a dit pour l'hydrogène, on a 2 multiplié par 10 égale à 20. On a 10 multiplié par 2 pour l'hydrogène égale à 20. L'oxygène. Dans les réactifs, on a 2. Dans les produits, on a 8 multiplié par 2 égale à 16. Plus 10 égale à 26. Égale à 26. Donc, à ce moment-là, l'adresse de la dîme fait 2, c'est 26. Donc c'est 13. Donc on a 13 molécules de dioxygène parce qu'on a 26. 13 atomes, 13 molécules de dioxygène parce qu'on a. Donc 13 multiplié par 2 égale à 26. On a là. On a autre que on a. Dans les produits pour le carbone, on a 8. Il y a 2 multiplié par 4 égale à 8. Il y a dans les produits, on a 8. L'hydrogène, on a 2 multiplié par 10 égale à 20. 10 dans les produits, on a 10 multiplié par 2 égale à 20. Pour l'oxygène, on a 13 multiplié par 2 égale à 26. Dans les produits, on a 8 multiplié par 2 égale à 16, plus 10 multiplié par 1, c'est-à-dire 10. 16 plus 10 égale à 26. Donc il est équilibré. Petite D, on a donc dans les. CO2 plus 6H2O donne 6H12O6 plus O2. Donc pour le carbone, double carbone, on a dans les réactifs, on a seulement un atome de carbone. Dans les produits, on a 6. Donc on prend comme coefficient stoichiométrique 6. Parce qu'on a 6 atomes de carbone. Donc il est équilibré pour le carbone. Pour l'hydrogène, il est équilibré. 6 multiplié par 2 égale à 12. Ailleurs, on a 12. On a l'oxygène. On a ici 6 multiplié par 2 égale à 12. Égale à 12 plus 6 égale à 18. Égal à 18, parce qu'on a 18 atomes d'oxygène sur la voiture. On a 6.
اللي غادي نغيرو هو المعامل ديال الاكسجين، شحال غادي ناخدو في الاكسجين. هنا 6 باش تحصلو على 18، هنا غادي عندنا 6 باش تحصلو على 18، غادي تخصنا 12 درجة، 12 اتوم دوكسيجين، سيتادير 6 موليكول دو دوكسيجين، دونك 6 موليكول دو دوكسيجين بور دوني 12. نعاودو نتأكدو من درجات الأكسجين، هنا 6 متر باغ 2 إيكالا 12، بلوس 6 إيكالا 18، هنا 6 بلوس 12 إيكالا 18، دونك سي فغي. إكزيس نميرو 9، écrit, calcule une masse. On place un morceau de calcaire dans un flacon en verre contenant de l'acide chlorhydrique. Puis, on mesure la masse de l'ensemble à l'aide d'une balance électronique. Celle-ci indique 48,2 grammes. On observe dans le tube une effervescence et une disparition des morceaux de calcaire. En fin de réaction, la balance indique 47,9 grammes. Donc, il y a un nadao qui est amené à l'kils, qui est en train de se faire, qui est chlorhydrique. Nous avons un qiyas koutlatiha, بواسطة ميزان إلكتروني، فنجدو 48.2 غرام. إذا نلاحظ إن إفيرفيسونس فوار، هاديك إفيرفيسونس بحال مثلا إلا من نديرو دوليبران مثلا في الماء، تلاحظو إن إفيرفيسونس، هاديك هي الإفيرفيسونس. فوار ان افيرفيسونس بحال من تنديرو فيتامين سي في الماء، يعطينا افيرفيسونس اي ديسباريسيون دي مورسو دو كالخير، واختفاء قطعات الكيس. وفي نهاية التجربة نلاحظ ان الميزان يصل الى 47.9 غرام. اولا Neuf un, à quoi est due l'effervescence dans le flacon? Deuxièmement, pourquoi la balance affiche deux valeurs différentes? Les madan mizan yotina qimati mukhtalifatayn. Trois, écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Oktoub mu'adal kimiaïa li tahdout hana fi haqiqa ma atinch la ما عطينش الظروف ديال التجربة، ما عطينش الصيغة الكيميائية الفورمول كيميك دو كالكير، وما عطينش النواتج، ما عطينش حتى شي حاجة هنا. نوف كاتر ان دي برودوي فورمي اي غازو كيلي ساماس، اذا احد النواتج فهو غازي وحسب كتلته. Donc, à quoi on passe à la correction? À quoi est due l'effervescence dans le flacon? Donc, l'effervescence est due au dégagement d'un gaz. L'effervescence, d'ailleurs, il y a l'effervescence, il y a dégagement d'un gaz. Maintenant, dans le doliprane ou la vitamine C, nous l'achetons ça au gaz. C'est quoi l'effervescence? Donc, un petit 2, pourquoi la balance affiche deux valeurs différentes? Il y a diminution de la masse de la gaz, puisqu'il y a dégagement d'un gaz, à de le gaz, il y a une masse. Dans une catastrophe de gaz, la houkoute là. Dans le hada, nous l'achetons, une khifad, la houkoute là, la tiyusir, il y a mise. Il y a diminution de la masse du gaz qui s'échappe du flacon.
Dans 9.3, écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Il donne donc la formule chimique du calcaire CaCO3 plus l'acide chlorhydrique HCl donne CaCl2 plus CO2 plus H2O plus CO2 plus CO2. أنا ما أعطينش بالتحديد هنا ما أعطينش النواتج إن في الغالب تتعطي إذا كان في الظروف العادية تكون النواتج هي هذه. دونك نتأكدوا من المعادلة بو إيكيليبري الإيكواسيون. On a pour le calcium, il est équilibré pour le calcium. On a un atome de calcium dans les produits, dans les réactifs. On a aussi un atome de calcium dans les produits. Pour le chlore, Cl2. On a dans les produits Cl2. Dans les réactifs, on a un seul atome de chlore. Donc, un arôme, il y a deux. Un arôme, deux HCl. Deux, donc. Pour l'hydrogène, l'hydrogène, on a deux atomes d'hydrogène dans les réactifs, on a aussi dans les produits deux atomes d'hydrogène. Pour l'oxygène, on a dans les réactifs trois, on a ici un plus deux, c'est trois, donc il est équilibré. Donc, un des produits formés est gazeux. Quelle est sa masse? Quelle est sa masse? Donc, un ardo, la masse, donc sa masse, c'est. Sa masse est 48,2, les quand il est moins 47,9. Égal, ce qui donne 0,3 g. Donc, la masse du dioxygène, dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, ou le gaz est. Sa masse est M égale à 0,3 g. L'exercice numéro 10, décomposition de la craie. Terkib tabacher. La masse d'un morceau de craie est 4,2 g. On fait subir à cette craie une décomposition thermique. Une décomposition, il y a un taqsim harari, par chauffage, vitasrin. Après craquelage, sa masse devient 3 grammes. Donc, côtelette, katamina tabasser, il y a 4 facettes, 2 grammes. Et dans nakomobi, taqsim harari, بتسخينه وبعد التجربة نحصل على سماس دوفيا 3 غرام كتلته تصبح 3 غرام au cours de cette transformation la craie solide blanc de formule CaCO3 CaCO3 se transforme en CaO avec dégagement de dioxyde de carbone, qui étant donné les lois de la réaction chimique. Donc les lois de la réaction chimique, le kawanin tafaul kimiaï. Donc les lois de réaction chimique. Donc la loi de conservation de la masse au cours d'une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est toujours égale à la somme des masses des produits. Loi de conservation de la masse. Loi de conservation de la masse au cours d'une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est toujours égale à la somme des masses des produits. Deuxième loi, loi de conservation des atomes. Au cours d'une réaction chimique,
les atomes se conservent genre et nombre, mais sont liés de manière différente. إذا أثناء التفاعل الكيميائي الذرة تنحفظ نوعا وعددا ولكنها مرتبطة بكيفية مختلفة. Maintenant, écrire l'équation de la réaction de composition de Lacry. On a donc, CaCO3 plus donne décomposition par caractère donne donc CaO plus CO2 plus CO2. Donc, on a ce faut est-ce qu'il est équilibré. Pour les atomes de calcium, on a un atome dans les réactifs, on a un atome dans les produits. D'abord, on a un atome dans les calcium, بالنسبة للكربون هي كاينة ذرة واحدة كربون في النواتج كذلك ذرة واحدة كربون أكسجين هنا تروا أتوم دون لي رياكتيف هنا دون لي برودوي هنا أن أتوم بلس دو إيكال تخوا دونك إلي إيكيليبغي دونك تخوا كالكولي لا ماس دو ديكسيد دو كربون فورمي دونك لا ماس دونك En appliquant la loi de conservation de la masse, on a la masse de CaCO3 est égale à la masse de CaO plus la masse de CO2. Donc, en appliquant la loi de conservation de la masse, mais ça veut dire qu'on va écouter là, la masse de CaCO3 égale à la masse de CaO plus la masse de CO2. Donc, la masse de CO2 égale à la masse de CaCO3 moins la masse de CaO, donc égal à 4,3 grammes moins 4,2 grammes moins 3 grammes, ce qui donne 1,2 grammes. Donc la masse de CO2 formée est 1,2 grammes. Ou bien, d'autres, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.